Comment je suis amené à cette émission? En fait, sur un coup de fil de Jean-Marc qui me dit « Est-ce que tu veux bien participer à Passe Croisée ?» Donc, bien évidemment, j'ai dit oui. Ça se me paraissait logique et de bon sens. J'ai voulu prendre un plat signature des restaurants. Non pas que c'est moi qui l'ai décidé, mais c'est plutôt les clients qui décident que c'est un plat de la maison. Donc j'ai fait un foie gras poché aux huîtres, bouillon, citronnelle, gingembre. Pourquoi ? Foie gras, c'est le sud-ouest. Les huîtres, parce que j'aime bien ce côté un petit peu terre-mer. Et bouillon, citronnelle, gingembre, parce que j'ai quand même pas mal d'affection pour l'Asie. Ayant travaillé là-bas, ça me permettait un petit peu tous mes coups de cœur de les mettre dans un plat. La recette pour faire ce plat, d'abord prendre un bon foie gras de chez nous. On le poche dans un bouillon de volaille ou de canard. Donc on ouvre les huîtres, on fait un bouillon citronnelle gingembre, c'est un bouillon de volaille avec une infusion de gingembre et citronnelle. On va légèrement crémer, une bonne crème épaisse. La crème épaisse, c'est bon pour la cuisine française, ça a du goût. On va l'émulsionner et on va mettre les huîtres au dernier moment. Et en fait, si on peut dire, c'est un petit ragoût en quelque sorte, avec un bon bouillon, donc quelque chose de goûteux et d'onctueux. Stade Toulousain, pour moi, c'est un petit peu le monument à Toulouse. Paris a la Tour Eiffel, Toulouse a le Stade Toulousain. Donc c'est quelque chose qui est indissociable de la ville. Et naturellement, je crois qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne supporte pas le Stade Toulousain. Pour la fin de saison, c'est sûr, ils vont être champions. Il n'y a rien d'autre à dire, hein. Ça suffit. Hein. J'ai été amené à participer à l'émission grâce à Jean-Marc, le patron de la brasserie. C'est vrai que j'ai l'habitude de venir boire des cafés entre midi et deux voilà, au comptoir de la brasserie, en discutant avec lui et en regardant aussi ce que les autres joueurs avaient fait, voilà, les derniers plats qui étaient sortis. J'ai trouvé vraiment l'idée sympa et il m'a proposé voilà, de faire moi aussi mon plat signature et je trouve ça vraiment sympa parce que j'aime bien cuisiner et puis côtoyer un grand chef en cuisine, c'est pas tous les jours qu'on en a l'occasion. Donc c'est avec plaisir que j'ai répondu favorablement à sa proposition. Je suis parti sur une raviole avec à l'intérieur, j'ai revisité un petit peu les éléments des lasagnes, donc une sorte de bolognaise avec de la mozzarella, bufala et du basilic. Il y a apporté un peu de fraîcheur avec de l'aubergine et des tomates, vu que ça va être au mois de juin et je pense que les plats trop lourds d'hiver ne seront pas appréciés à cette période. C'est vrai que j'ai la chance d'être dans une région où on trouve beaucoup de bons produits sur place. Donc c'est vrai que la gastronomie, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Comme beaucoup de Rubens, je pense, j'aime bien manger. Mais c'est vrai qu'avec nos emplois du temps assez chargés, c'est compliqué des fois de prendre le temps de cuisiner. Donc voilà, c'est sympa aussi pour moi de faire cette expérience-là, pour prendre le temps justement avec un chef de réaliser une recette qui me plaît et qui, je l'espère, plaira au plus grand nombre. C'est vrai qu'en tant que sportif de haut niveau, la nutrition c'est important, mais bon, on est des êtres humains aussi, donc c'est vrai qu'on aime bien se faire plaisir. Je pense qu'on peut se faire plaisir, mais pas tout le temps. Voilà. Il y a des périodes avant les matchs ou avant les événements importants où il faut qu'on fasse attention, mais après ça n'empêche pas voilà, de se faire plaisir fin de semaine après les matchs. Il y a du temps pour tout.